Et c'était une joie pour moi partager ce moment avec vous. Et en fin de compte, nous vous parlons sur la lumière même. Nous vous parlons comment vivre et transmettre sa lumière, la lumière du Seigneur. Et moi, tu es content, commence par lire donc Jean chapitre 1er, parce qu'il est important qu'il nous connaisse, que nous sortis, qui finit arrive nous, afin qu'il y ait une crainte dans nous les guerres, qui nous pas capable faire comment nous les nous la vie. Et qu'est-ce qui nous touche nous la vie comme cela? D'une tourne dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, la parole dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il dit dans verset 9, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous avez réalisé que depuis l'origine, comment nous la vie fut transformée par la lumière. Jésus, il est la lumière, il est la parole. Sa parole, il est puissant. Sa parole l'a venu et il est la parole, il éclaire nous. Et il donne nous la lumière depuis le premier jour qu'il nous fit rencontrer lui. La parole dit à nous, hein, comment dans 2 Corinthiens 3, versets 14 et 16, comment c'est lui qui vient enlève le voile de nos lisiers? Personne n'est pas capable de faire ça. Lui vient enlève quand nous tournons nos regards vers lui. Il enlève sa voile-là et il fait à nous tout clair, mes frères et sœurs. Sans quoi nous reste dans une ténèbre. Et Jésus, sa parole, il éclaire à nous et ensuite il donne nous la vie. C'est pour ça que quand nous lions depuis l'origine, il est la parole, il est la lumière, il est la vie. Alors quand tout commence pour nous, dans la lumière, comment nous supposer peut continuer nous la vie avec Jésus, qui est la lumière du monde, qui ne vient éclairer moi, qui ne vient éclairer toi. Parole dit à nous aussi, ben, dans Jean chapitre 8, verset 12, on est capable de lire. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière, quand ça pour venir, pour amener lié à la vie. Exactement ce qui nous lie dans Jean chapitre 1er. Et nous bien comprendre que quand nous recevons ça la vie en premier lieu, qui nous fait naître de nouveau, Dieu a envie de communiquer nous sur la vie encore et encore. Comment ça pour venir? Pareil comme ça premier jour-là. De la manière qu'il a la parole finie à nous et qu'il inéclaire à nous, aujourd'hui aussi, ce parole, l'ivine vers nous, ce parole, Jésus, l'ivine vers nous, pour l'éclairer à nous. Et ça donne nous la vie à chaque fois. À chaque fois nous entendons ce parole. Et qui nous cherche dans ce parole. Dieu finit planifier que quand nous suivons Jésus, nous ne pouvons pas suivre lui, ténèbres et lumière. Il n'y a aucun lien, rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand nous gagnons la lumière ce premier jour-là, c'est pour qu'il nous marche, comme Jésus dit à nous, dans la lumière-là. Qu'il nous continue à être éclairé. Comment nous pouvons être éclairé? Par la lumière de sa parole, c'est-à-dire la révélation de sa parole. Et c'est comme ça qu'il a vie
de Jésus pour réussir, manifester, pas comme le premier jour seulement, pour donner-nous le pouvoir d'être un enfant de Dieu, mais nous pour gagner sur la vie de plus en plus. Hein? C'est une grande grâce, et nous capables de lire aussi dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Nous voyons qu'il nous l'appelle, il commence dans la lumière, et il disait « Continuez dans la lumière. » Il nous marche dans la lumière. Et quand Jésus dit qu'il est la lumière du monde, ensuite, il dit dans Jean chapitre 7, « Vous êtes la lumière du monde. » C'est-à-dire qu'il tout nous la vie, voilà nos démarches dans la lumière de Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit en nous aujourd'hui pour l'éclairer. Et vous trouvez que le voile fut enlevé dans la vie de chacun qui n'acceptait le Seigneur et est appelé de lui. Nous finit appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et nous besoin poursuivre, nous, la vie dans sa lumière-là. Nous guettons dans Éphésiens, chapitre 1er, mot pour lire dans Parole vivante. On dit pour faire sa parole là un petit peu plus vivant et dans nous lire. Alors, nous connaissons tous ces versets-là. Mais dans l'intention du cœur, de mon cœur ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, nous voulons mettre l'emphase dans sa vanne versée qui nous déjà attendait, mais qui nous vient vivre. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Ça veut dire qu'il s'avigne plus clair pour moi. Dieu, Jésus, au travers du Saint-Esprit qui est en nous, lui augmente sa lumière, la moléculaire, la vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. C'est ça nous l'appel. Alléluia. Nous besoin plus de lumière. Mais nous trouver que c'est sérieux la manière qui nous commençait. Et c'est, ça a besoin d'être sérieux la manière qui nous continue aussi. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous commençons dans la lumière, mais nous pouvons permettre un petit peu de ténèbres avec la lumière ensemble dans nous la vie. Ce n'est pas possible. Et nous avons une soif pour nous tout clair. On nous lit dans Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3. Dans le verset 2, Paul dit, « Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que vous, je vous en fasse part. » Parce que dans le chapitre 2, il parle de cette révélation, de ce mystère que les Juifs et les Gentils vivent ensemble dans un seul corps. Il dit, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots dans le chapitre 2. » Alors, nous trouvons que sa révélation-là, il amène ça la lumière-là dans son cœur. Un mystère, quelque chose qui ne peut pas comprendre, tout à coup, il ne comprend. Et aujourd'hui, il est capable de causer la lumière alors l'Église, pour que l'Église aussi trouve et que l'Église comprend pareil. Et la parole dit à nous, il dit, dans verset 4, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Comment dire, chaque chrétien capable d'être intelligent, pas parce que c'est l'intelligence naturelle,
capable d'une intelligence dans l'esprit. Pour qui faire? Parce qu'il est pour tout plus clair. Il est pour comprendre ce qui est caché, révélé dans ce l'équerre. Ça pour rapprocher du Seigneur. Ça pour montrer le sérieux du plan de Dieu pour la vie, pour l'Église. Et ça, chrétien, bien prend sa responsabilité pour lui tout clair, pour qu'il est ouvert à la lumière. Dieu, ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Révélé, ça veut dire la lumière venue par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et quand ces hommes de Dieu communiquent cette lumière, cette révélation dans nous l'équerre, ah bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être le même. Sa voix déclenche la vie de Dieu, sa voix amène nous à être challengés, à être confrontés. Sa voix amène un changement, il peut remuer nous, il peut secouer nous. Pareil que quand sa premier jour, là, nous venons, le Seigneur secoue tout ce qui tient dans nous la vie, dans le passé. Tout le monde sait qu'il n'est pas bon là. Tout le monde ténèbre qui nous peut attacher en nous, qui nous peut emmener. Tout le monde la chaîne nous tient. Le Seigneur brise tout ça quand il amène ça à la lumière là. Mais le Seigneur envie dégage nous aujourd'hui de beaucoup de choses. Du passé aussi, qui nous peut retransporter et de nous la chair. Mais nous visons à la lumière. Nous visons à la lumière. Colossiens chapitre 2. Dis à nous. Dans le verset 2. Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu Christ. Vous voyez, toujours, l'homme de Dieu peut faire ressortir ça l'importance-là, qui saque l'équerre d'un chrétien, saque l'hygiène du cœur des chrétiens, besoin à paix ouvert pour gagner l'intelligence dans l'esprit de ce que Christ est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. En qui, Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quand nous pour aller, mes frères, nous besoin vine vers Jésus pour que l'esprit vine emmène dans nous l'esprit éclaire à nous toute cette sagesse et cette connaissance de Christ. Nous bien commencer, nous bien connaître comment nous bien continuer. Aujourd'hui, nous bien et rempli de la sagesse et de la connaissance de Christ. Ce parole, mes besoins, habite richement en nous. Comme nous disons dans Colossiens 3:16, il désire que la parole de Christ demeure richement, pas pauvrement, pas un petit bout comme cela. Il dit, bon, nous écoute les 15 minutes de grâce et vérité, mais c'est 15 minutes seulement. C'est un goût pour qu'il nous le replisse. 15 minutes, bizarre, amène-nous des milliers, un temps. Achez. Nous ne sommes pas satisfaits à nous de goûter un petit peu. Surtout dans les temps qui courent. Frères et sœurs, nous devons être sérieux. Nous commençons dans la lumière. Nous devons être remplis de la lumière de Dieu. Dans nous l'équerre. Pas satisfaits à nous d'entendre un message du dimanche seulement. Ou de 15 minutes de grâce. Malgré qu'il nous encourage pour cela. Mais c'est comme un départ qu'il donne nous pour nous capables avance plus devant dans la recherche du Seigneur. Il dit à nous, ça la lumière là, il pouvait nous protéger nous dans ces jours qui viennent. Nous besoin chérir, autant de moi ça, chérir. Nous prenons ça dans nous l'équerre comme quelque chose de précieux.
C'est pour ça qu'il nous appelle lien trésor. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il dit, nous porte ce trésor-là dans un vase de terre. C'est quoi ce trésor-là? C'est la lumière de l'évangile, de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, qui nous peut porter richement. Il ne peut pas se connaître comme ça. Il y a une révélation. Il y a la lumière profonde qui peut venir. Mais saisis-moi. Mon appli est pareil. Quand ça, la lumière est venue, il est impossible qu'il me reste pareil. Il paraît quand la lumière est venue, premier jour, mon appli pareil comme dans le passé. Mon changé. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui aussi, ça nous a fait hier, avant-hier, l'autre mois, pour passer. Pour renouveler dans nos pensées, dans nos âmes, pour restaurer, pour guérir. Quelle grâce, quelle bénédiction il y a de vouloir rechercher la lumière de sa parole. Surtout dans la situation actuelle, frères et sœurs, il est bon qui, comment dire, nous capable d'avertir un petit peu, nous connaît un peu. Mais il est bon nous rappelle, nous, qui beaucoup d'immunes dans l'église en général aujourd'hui, vous connaissez ce pays éloigné de sa lumière là. Nous pays exode, nous pouvons tendre la lumière déjà. Et nous pouvons dire, nous, pas simplement 5 minutes là-dedans. Allez chercher. Gagnez soif. Parce qu'il y a même des gens qui quittent ça, chrétien, ou peut-être un chrétien là, qui peut éloigner, c'est ce qui peut appeler l'apostasie. Je peux éloigner je de la lumière du vrai évangile, de la pure doctrine de Jésus. Vous connaissez, non seulement je t'ai éloigné, je te l'ai même, je te refusé cette lumière-là. C'est un peu dur à dire ça. Mais je te refusé. Je t'ai appelé à accueillir la lumière de l'évangile, de la sainte doctrine de Christ. Cette lumière qui amène la vie sainte en Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'équerre dans le corps de Christ est assombri. Et manque la lumière. C'est pour ça qu'il nous voit la démarche de notre frère Mickey de partager la lumière de l'évangile au pasteur. Parce que le pasteur même a besoin d'éclairer dans tellement de choses concernant la croix de Jésus. Pour que le peuple de Dieu n'a pas été éclairé. Comment le peuple de Dieu peut être éclairé sinon? Mais nous peut gagner ça tous les jours, gratuitement. Dieu peut offrir à nous. Moi, je peux faire ça pour nous guetter ça, c'est là, moi. Et puis, qui côté nous venons dans la lumière, et qui quantité ça, la lumière, là, peut gagner accès dans mon équerre, puis un site pour la vie, pour vivre comme Dieu. Get dans 2 Timothée, chapitre 4. Ok, nous entendons, nous connaissons, mais dans le contexte nous peut causer ce soir, les bons qui nous rappellent nous et qui nous lient dans 2 Timothée. Dieu, chapitre 4. Et car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Pas simplement parce qu'il y a des hauts. Ça, des autres peut réfuser, même ça. Mais quand ça pénètre dans l'église, c'est l'état d'esprit là, divine CAE, mes frères et sœurs. Ce qui finit éclairé par Christ lui-même, dont le voile finit enlevé, je vous dis, je ne peux pas de rapprocher de sa lumière. Au contraire, je peux réfuser, je peux réquiller. Ça a besoin même d'une crainte dans nous, les cœurs, mes frères et sœurs, qui nous pas capables de prendre à la légère comme l'argent comptant. Le contexte dans lequel nous trouvons-nous aujourd'hui pour recevoir ce que Dieu peut donner nous. Mais au gré de leur propre désir, je préfère choisir ce qu'ils ont envie, autres. Avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. C'est eux qui peuvent choisir
si pas je te laisse la lumière la nuit, qui quantité je te laisse la lumière, si nous parlons la lumière là dit tout, si la lumière là vient zen zot, zot qui peut gérer ça. Mais quand Jésus vient, vient éclairer nous, et si vous croyez, nous sommes capables de gérer qui quantité la lumière, vous connaissez une affaire qui nous mettait dans comme un interrupteur qui appelle une dimme. Nous sommes capables de diminuer la lumière, nous sommes capables d'augmenter la lumière. Chrétien n'est pas capable de vivre avec un dimme. Nous devons vivre dans la pleine lumière de Christ. Ils détourneront l'oreille. Ah, il a. C'est pour refuser. Quand on détourne nos oreilles, ça veut dire parler de la vérité. Mais pourtant, cette poêle tourne vers une fable. Ça peut passer. Qui fait nous récolter ça? Non seulement pour avertir nous, de certains temps nous pouvons vivre là, mais nous devons faire attention à nous-mêmes. Nous devons faire attention à nous-mêmes de la manière qui nous peut conduire à nous, si pas nous peut avancer dans plus de lumière, ou bien nous pouvons tâtonner en place, sinon nous pouvons le réguler. Je parle de ce qui est simple de l'évangile. Quand nous cause quelque chose de simple, pour je devine compliqué. Dis-moi, il est trop compliqué pour vivre ce qui est simple là. Vous pouvez comprendre ça? Comment l'intelligence de l'homme dans la vie du chrétien, comment le chrétien il peut embêter lui, il peut décevoir lui-même. Alors, je finis par faire à la lumière de l'évangile en se coupant, en se privant. Pourtant, Jésus, il vient éclairer tous nous les guerres. Qui c'est là qui gagne droit? Coupe-lui de ça la lumière là. Prive-lui de ça la lumière là. Et même, si pas fait attention à l'opposer. Même autant Paul, c'est un homme de Dieu qui t'oppose la lumière de l'évangile. L'évangile de la croix. Le message de la croix. T'y opposer. Je trouve ça clairement, Paul, dans Philippiens, chapitre 3, verset 18. Il parle des ennemis de la croix. Pas parce qu'on se bat du moulin des hauts, là. Parce dans l'église. Fallait comment dire, il manque la lumière. Même pourquoi arrive, comment dire, gagne l'état de cœur comme ça, pour l'opposer. Alors, nous parler ça, nous. Il dit, merci Jésus, pour 15 minutes. Merci pour une demi-heure. Merci pour un temps. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit en moi. Merci pour ça l'éclairage qui peut venir là. Moi, les chéris à ça. Moi, les soif de ça. Moi, les enrichis moi. Quelle grâce. Qui? Apocalypse dit à nous. Chapitre 3, verset 18. Il dit, viens chercher de moi de l'or purifié afin que tu sois riche. Viens chercher de moi que tu peux aller. Qui te recherche? Que tu peux chercher? Nous arrêtons de chercher par tous côtés, comme ça sans la dire. Paul cherche une seule chose, il dit, je connais une seule chose, quand il s'agit de la fondation de la croix. Moi, je cherche la même. Et c'est comme de l'or, mon bizarre arrive à trouver cette parole, c'est pour ça, ce soir, c'est que l'Esprit de Dieu le dit à nous, est-ce qu'il te peut découvrir que sa parole-là, c'est de l'or, c'est de l'or. La pure doctrine, non seulement les purs, mais les précieux. S'il y a quelque chose de précieux pour nous, nous poils rodli, hein, et nous poils godly, les bouvines un trésor dans nous la vie. Nous pour cachette li. Comme ben dit mon cachette ben trésor naturel parce que je te compte sur Valère. Mais nous les cachette ça trésor là, garde ça. Al rodli avant. Nous pouvons être riches dans les guerres.
Alors, je vous trouve ce soir un petit moment qui nous capable un petit examen. Paul dit à nous, examiner ce qui est agréable à Dieu. Il y a un examen. Quand nous faisons un examen, nous connaissons, nous avons une question qui posait, nous besoin répondre. Mais nous pas pour faire une question, comment dire, Paul, comment dire, sentir-nous pas correct, condamné, non. Mais c'est une prise de conscience. Pourquoi aide-nous, situez-nous. Vous êtes d'accord avec ça ce soir? Nous faisons un petit examen. Alléluia. Nous quittons un coup. On nous pose-nous certaines questions pour voir si nous pouvons accueillir la vérité, nous pouvons les vivre et nous pouvons les transmettre. Que te tenir-toi aujourd'hui par rapport à la lumière de l'Évangile? Que te tenir-toi? Est-ce qu'il te d'accord seulement? Ou bien tu peux faire un pas de plus pour te le rechercher? Parce qu'il d'accord seulement, ça c'est une chose. Dis bon, mais mieux qu'il pas d'accord. Mais le Seigneur a envie de gagner les guerres pour plus. Est-ce qu'on nous peut accueillir vraiment de tout nous les guerres? La lumière de l'Évangile. Ou est-ce qu'il y a une résistance un petit peu dans nous, une gêne, parce que l'Évangile peut venir expose nous la vie? Est-ce qu'il nous gagne une gêne? Est-ce qu'il nous peut résister ça? Toutes ces choses, le Seigneur a envie qu'il nous remette nous en question, hein, pour qu'il nous paraisse dans sa position-là. Parce que sinon, quand pas gagner un mélange qui reste dans nous. Nous pas les mélanges, nous. Nous vivons la lumière et la lumière et la lumière. Pas un petit peu la lumière et un petit peu flou. Non. Mais pour ça, pour qu'il peigne un flou là, ils implissent la lumière lui. Sans quoi qu'il y a certaines affaires qui pourraient toujours floues. Et l'ennemi pourra jouer avec nous. Hein, pour faire nous compromettre. D'accord? Nous lisons dans Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. C'est-à-dire, là, nous connaissons Tchingué depuis dans le chapitre 1er, que c'est lui qui est la lumière. Et les types marchent au milieu des autres. Ça veut dire la lumière qui aux autres, au milieu des autres. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Mais là, au milieu des autres, les autres gagnent la lumière, les autres bien supposés connaissent pleinement que les autres peuvent aller. Comment je peux vivre? Pour ne pas rester dans un manque de lumière qui peut faire un flou, qui peut faire nous dévier et nous perdre. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Ça veut dire nous devenir un enfant de lumière. Nous dit ténèbres, nous. Mais il dit, pendant que vous avez la lumière. Mais aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit en nous. C'est l'onction que nous avons reçue de Dieu, Jean dit à nous. Il enseigne nous toutes choses. C'est lui qui éclaire nous. Et pendant qu'il est là, est-ce qu'il nous a trouvé que pendant que Jésus est là, pendant qu'il est inspiré sur ban serviteur, pendant qu'il nous est assis sous le ministère de l'Esprit, quand sa ban serviteur l'a fait causer, ah ben, la lumière est au milieu de nous. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs?
La lumière, elle est là. Et c'est pour ça que nos conditions de la chair capable de nous pitié. Nous n'a pas les vignes religieux qui n'a pas plutôt la valeur de ce que Dieu trouve précieux pour nous. Et sommes-nous prêts à recevoir cette lumière, cette vérité? Dans tous les domaines de notre vie. Hein? Parce que quand ça la lumière a venu, dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit, hein, le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui, mais Jésus il peut dire le Saint-Esprit, il pour enseigner autres toutes choses et il pour conduire les autres dans la vérité. C'est-à-dire, il pour amener nous dans la lumière qu'il finit éclairer nous là. C'est-à-dire, il pour montrer nous ce style de vie, qui manière mon bisin vive pour lui dans ce royaume. Pas manière qui moi voulais vivre dans ce royaume. Comme moi, dans le royaume du monde, moi, tu vas vivre dans la manière voulais. Dans la manière du monde. Mais là, dans ce royaume, lui montrez-moi par ce Saint-Esprit quel est le style de vie qui m'attend. C'est pour ça que quand la lumière vient et que révélation la vie dans mon équerre, automatiquement, li pour bouleverse me la vie. C'est pour ça que mon bisin al au devant moi le redit. Et là, nous voir comment dans toute manière Dieu ou l'essence nous la vie dans tous les domaines de la manière qui nous offrir nous la vie à l'église, aux besoins des autres. Qui dit à l'intérieur de l'église, qui dit à l'extérieur de l'église, c'est quand la lumière vient qui nous a trouvé, qui manière nous disons elle donne ça la vie là. Pour un autre style de vie qui plaît à Dieu, pas qui plaît à moi, mais qui plaît à Dieu. Ça pour confondre nous dans nos agissements qui nous gagnent. Dans ma parole qui nous dit, dans la lumière vini, l'ivine confond tout cela. Dans nos bonnes décisions qui nous prend, dans nos bonnes finances, dans nos bonnes relations les uns vers les autres. Quand nous restons pareils, c'est que la lumière nous pape ouvert à la lumière là. Nous pas peut accepter sa révélation là, parce que si nous accepter lui par la foi, lui pour agir en nous. Paul dit à nous ça dans le livre aux Thessaloniciens. Et nous pouvions comme Paul à un moment donné dans ce l'équerre, quand sa révélation là, il trouve ça tellement excellent, il est prêt à regarder toutes choses comme de la boue, bonne chose. Qui vil, bonne chose qui charnel, bonne chose qui pas gain l'importance pour Dieu. C'est un dimon qui dans ténèbres qui accepte ça, mais nous quand nous gagnons la lumière, nous pouvons dans la lumière. Bonne chose vil, bonne chose qui peine l'importance pour Dieu, fallait pas gain l'importance pour nous. Au contraire, ça permet de nous trouver la valeur de ce qui est éternel, de ce qui est précieux aux yeux de notre Seigneur. Nous trouvons la valeur de l'or dans l'esprit. Intéresse-nous la valeur de l'or dans le naturel. Laisse ça pour banque qui n'est pas éclairé. Et nous qui n'est éclairé, il amène la lumière sur ce qu'est son évangile, qui est de l'or pour nous, qui est de l'or. À nous, le redit. Quand on dit, oui, il y a l'or dans le naturel, tout le monde a comment dire, mouche. Tout le monde a le rodé. Je te connais la valeur. Mais nous, dans l'esprit, c'est que ça fait galouper. C'est ce qu'on appelle la ruée vers l'or. Ça fait galouper.
dans l'esprit. Hein? Il y a une latente. On peut attendre. Souvent, quand le frère Mickey parle nous de l'Afrique, nous peut étendre comment on est rouillé vers ces moments, ces rencontres, ces conférences. Parce qu'il dit, la lumière est là. La lumière peut venir. Quand la lumière est venue, on ne peut pas aller. On peut se rapprocher. Voir comment cela est tellement important. Je pose une autre question. Sommes-nous en train de retarder la puissance de la révélation de la croix pour agir dans nous la vie, pour être transformés par elle? Parce que si nous retardons la lumière et la révélation, nous pas accepter l'île, nous pas recevoir les croix, nous peut quelque part retarder l'échéance de ce qui nous peut devenir en Christ. Nous peut retarder ça l'image de Jésus-là, dans lequel nous besoin de transformer. Sommes-nous en train de vraiment nous équiper dans la foi, dans la lumière de l'Évangile? Pour être équipé pour servir dans la lumière, mais pour protéger nous aussi, il nous équipe nous de tout ce qui peut guetter nous de l'extérieur, surtout dans ce moment qui nous peut vivre là, de la part de l'ennemi. Pour nous le faire face à tout ça, mes frères et sœurs, si toi et moi, nous ne pas vivre sa révélation-là, c'est la lumière dans nous l'équerre. Et si nos réponses à toutes les questions qu'on peut poser, du négatif, mais quelque part, pour une dégradation dans nous la vie, pour un éloignement de Jésus, de son Église, qui pour atteindre sa chrétienne-là. Et nous pas envie tout ça vini. C'est vrai, des trois fois, plusieurs serviteurs finent parler de cela. Frère Mickey, même, ils parlent de cela. Mais c'est comme si l'Esprit de Dieu, c'est comment dire, incite-nous, parce que il est important que l'Esprit de Dieu arrive, gagne sa portée là dans nous les guerres. On dit, il y a un clic, on dit, il y a quelque chose qui vient réveiller nous. Qui ne peut pas dire oui, vous connaissez, vous entendez, vous d'accord ça. Pas question d'accord. Là. Il y a une question vive, il y a une question reflétée, il y a une question transmettre après. Tout ça fait partie, nous l'appelle. Tout ça. Gloire à Dieu. Est-ce que nous peut ressentir aujourd'hui, vous pouvez dire ça pour aide, hein, pour aide, mon frère, mon soeur, un désintéressement envers la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous trouve nous dans une condition comme ça? Mais moi, je voulais encourager toi, mon frère, je voulais encourager toi, ma soeur, n'a pas tardé, galoper, à trouver un frère, une soeur, trouve un ancien. Allez vers le Seigneur, même si nous disons jeûner, prier, brise-nous l'équerre, humiliez-nous devant le Seigneur, mais n'a pas resté une condition de désintéressement comme cela. Parce que Jésus, c'est lui qui ramène-toi dans la lumière, il peut très vite ramène-toi, très vite, il peut connaître comment regagner sur l'équerre là. Souvent, il est arrivé, mon frère, tu sais, je ne pas connaître mon vie, la présence de Dieu, je ne pas connaître mon pas connaître qui me dire. Ouais. Mais c'est la lumière de la parole qui peut amener nous pour connaître qui me dire. Parce que quand nous tout clair, il amène la foi, et la foi fait nous causer. Personne n'a pas dire à nous qui me dire. Ça devient naturel. Et nous prennent plaisir à un moment donné dans le fortifier nous. Dans ce présence, dans ce parole. Parce que quand nous faisons ça un, deux, trois fois, nous pour tout la valeur, nous pour tout la richesse qui peut venir, nous pour tout la force qui peut venir dans nous. Même nous, la journée, travaille pas pour pareil. Hmm?
et nos bonnes relations avec les autres, bien entendu. Et nous capables vraiment souligner, comme nous connaissons déjà, que c'est notre état charnel qui fait à nous refuse la lumière pour être challengé. Ça, la chair là, il n'est pas voulu être challengé par sa lumière, par sa révélation. Alors, l'itane pour retirer lui. Mais le danger que ça, c'est quand tu commences à retirer toi, tu retires même. Ce n'est pas une part en avant, là, c'est une part en arrière. Mais pourtant, quand Jésus vient de toi avec moi, il vient de nous dans la lumière, il éclaire nous. Dire afin qu'il nous capable de vivre, devenir un enfant de lumière. Qu'il nous capable d'avancer de plus en plus dedans. Ça faisait peine un choix pour nous, mon frère, ma soeur. Et nous faisons découvrir la valeur de cet avancement dans la lumière, là, de sa trésor-là. Parce que, bon, pas pour là, toi, toute la journée, puis j'étais mon frère, ma soeur, mais tu connais, tiens mieux pour toi, ben, elle passe ce moment-là, elle retrouve-toi, tu peux bien écouter le Saint-Esprit, tu peux bien, ta volonté, tu peux bien engager là. Nous, là, quand nous gagnons un petit séminaire comme ça, un petit 15 minutes, nous pouvons encourager, nous. Mais comment nous pouvons vivre ça après? Vous êtes saisis là. N'est-ce pas? Ouais. Posons-nous une question maintenant. Est-ce qu'il nous peut servir le Seigneur dans la lumière? Pour nous servir le Seigneur, pour nous transmettre la lumière, bien entendu, nous besoin que commence par vivre-les. Et bon, pas dire personne d'entre nous n'a pas fait vivre, non, pas ça que je veux dire. Mais nous pouvons vivre plus et nous pouvons transmettre plus. Et comme on a besoin. Alors, Paul dit à nous dans 2 Timothée 2, verset 15. Paul dit à ça, Timothée, c'est une recommandation qu'il dit à lui de dispenser droitement la parole de Dieu. Il peut me dire, s'il dit droitement, ça veut dire il y a une manière qu'on le fait, ça travers. Il peut me dire travers, là. Il me dit droitement. Fallait qu'il même peut recevoir ça, ça la lumière là, pour qu'il sache corrige mon avis, puis ajuster mon avis, pour être capable, éventuellement, puis transmettre ce qu'il m'a recevoir, clair, clair, et de la bonne manière, dans sa pureté, dans sa vérité, comme nous étions par rapport à ça aujourd'hui. Parce qu'il m'a appelé pour vivre et refléter et transmettre. Dieu peut attendre moi. Il est important de m'écouter. Mais je vais venir, je vais causer. Et je vais causer droitement cette parole. Afin de ne point rougir. Afin que nous n'ayons pas à rougir. Qui nous peut commettre les choses de travers. Quand nous rougit, c'est qu'il nous gagne honte. Adam, quand il dit désobéir à Dieu, il a honte, il va dans le cassette. Lui. Il ne fallait pas le chrétien va dans le cassette parce qu'il y a un manquement en lui. Il a besoin de rendre ça la lumière là. Notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Il n'a pas besoin de le cassette, nous. Nous besoin exposer à la lumière. Et qui de plus en plus, nous ne pouvons pas honter, nous. Au contraire. Nous peut parler avec une assurance. L'évangile. Est-ce qu'il nous peut capable faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'il nous peut honter? Est-ce qu'il nous peut hésitant? Est-ce qu'il nous peut retirer nous? Ou bien nous, la foi, peut capable d'exprimer? Moi, je dis, quand nous vivons dans la lumière, nous, la foi, pour l'exprimer, nous disons, Seigneur, donne-moi ça l'occasion-là. Même dans l'église, aussi bien qu'en dehors de l'église. Moi, je dis, relève sa frère-là, sa sœur-là. Nous allons parler, nous animer à ce moment-là,
l'Esprit de Dieu capable de courir à nous, donc à obéir à Dieu. Mais si nous restons en place comme ça, nous peut désobéir. Vous sentez nous honter. Mais le Seigneur, par ça qu'il appelle nous. Hein. Pouvons-nous parler clairement de la lumière de la croix? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui est la croix pour toi? Si je me pose une question, tu faisais répondre-moi là. Qu'est-ce qui est la croix pour toi? Qui te peut dire moi? Chacun de nous qui a besoin parle de ce propre équerre sur la foi dans la croix de Jésus. À quelqu'un dans l'église. Il y a différents sujets qui relient à la croix. Il y a la repentance. Est-ce qu'il te capable de parler de la repentance à quelqu'un clair demain, droitement? À travers, droitement. Est-ce qu'il te capable de parler de la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est vrai qu'il y a, dans le corps de Christ, il y a une mesure, hein, des onctions qui sont capables de transmettre les choses un peu plus devant. OK? Mais si Dieu demande nous tout marche dans la lumière et transmettre la lumière, fallait nous capable. Et il y a quelque chose dans nous qui pour nous s'éclaire et qui nous parle avec n'importe qui clairement. Du pardon, de la sanctification, de la justification. C'est pour ça qu'il quand nous donne la parole et qu'il nous écoute tout bon message que Dieu met à notre disposition et qu'il s'avine une claire pour nous. Hein? Et quelque part, nous pouvons gagner un puits en dedans de nous pour nous puiser. Nous pouvons gagner un trésor qu'il a. Et quand nous pouvons le bien, nos frères et sœurs, c'est pour les gagner sa perle de nous part. C'est qui nous voulait en fin de compte? C'est d'aller aider nos frères et sœurs, non? D'aller construire la vie de nos frères et sœurs dans l'église. Ou bien c'est juste, comment dire, écouter une réunion, un séminaire, dimanche, un petit moment le matin. C'est ça, nous, la vie. Nous, la vie, c'est vivre ça, la lumière-là et transmettre-le. Alporte-le. Bien entendu, nous pouvons aussi un petit moment en dehors, maintenant, nous pouvons dans l'église. Pour nous garder un petit port. Ça, qu'il y a ce petit port. Moi, je peux faire mon petit port là, ce soir. Mais où aussi, vous avez fait un petit port? Ou bien trouver qui quantité ou équipé. Ou bien galoper pour l'équipe où? Pour enrichir où? De plus en plus qu'ils nous voient approcher le jour, quand le danger là capable, non seulement pour moi, mon propre la vie, mais pour mon bon frère et soeur. Vous savez, quand tout la guerre en Ukraine nous dit, ou tout équipe, tout peut mobiliser pour essayer d'être ban du monde dans le naturel. Mais nous, nos mobilisations, c'est pour aider l'Église, aider nos frères et nos sœurs dans l'esprit. Il ne fallait pas qu'ils nous aient, si demain nous disons, bon, si nous avons aide, ban du monde en dehors. Merveilleux. Mais la Bible dit, avant tout, on dit nos frères, que Dieu demande nous, dans la chapitre 6. Et pas seulement dans le naturel, mais dans l'esprit avant tout. Est-ce qu'il te touche à place là ce soir? Toi. Jésus n'est clé à nous depuis le premier jour, c'est pour ça, pour vivre ça. Recevons cette lumière, prenons notre responsabilité, mon frère, mon soeur. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas responsabilité de madame, de monsieur, de parents, de enfants. Chacun besoin d'être poli. Si mon madame pas les rois de la lumière, mais moi, mon besoin. Parce qu'à travers moi, la vie, Dieu pour refléter sans la lumière sur la vie. C'est comme ça qu'il dit pourquoi avoir arrivé à être sanctifié. Par l'eau de la parole, qui me purifie moi-même, et me challenge moi-même, où je vous dis, moi, j'ai la responsabilité pour confronter la vie, mon madame, mon monsieur, mon frère, mon soeur. Hein?
Alors, n'apparaît-nous dans l'outil la vie qui peut aller, un petit la vie, comment dire, monotone peut aller. Non, Jésus, c'est un trésor, un potentiel dans la vie. Jusqu'à l'être, nous recevoir beaucoup, mon frère, beaucoup, ma soeur. N'a pas satisfait, toi, les jours pour une mauvaise. T'as besoin encore et encore que celui qui sanctifie, il sanctifie, lui encore. Que celui qui gagne la lumière, il gagne la lumière encore. Il y a le rodli, il recherche lui. On nous remplit nos responsabilités. Engage-nous. Alors, pour bien remettre un petit peu ma pendule à l'heure. Vous allez remettre un petit peu ma pendule à l'heure dans la ville. D'accord avec moi? Ça qu'un guette ce pendule. Pas que pendule, ton camarade. Guette ton pendule pour toi. Remettre ça à l'air, correct. Devant le Seigneur, dans la lumière. Et pour engager dans cette parole, dans la prière, dans cette présence. Okay? Ce n'est pas une question, peut-être là, vous pouvez cause des mières et des temps et tout. Ce n'est pas une question aussi, les temps, si nous sommes capables de faire, mais c'est plus bénéfique pour nous-mêmes. Et si nous gagnons 15 minutes, si nous gagnons 5 minutes, si nous gagnons. Mais tout dépend de cette soif, cette recherche qui est dans nous, les cœurs là. Ça qui importe autant, mes frères. Quand il a sa recherche là, 5 minutes là, il est plus bénéfique. Et là, moi, je vais route 15, moi, je vais route 20. Alors, nous ne pouvons pas route, comment dire, mettre les temps. Mais nous pouvons causer une latitude dans nous, les cœurs là. Je comprends. Nous lire dans Ephésiens chapitre 5, ça aussi, nous connaissons, ça fait assez là. Nous pouvons lire aller. Nous pouvons lire aller. Jusqu'à le Seigneur est venu, nous pouvons lire même. Nous pouvons lire aller même. Chapitre 5. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Il peut éclairer à toi. Il peut éclairer à toi, il peut resplendir. C'est la lumière pour resplendir. Moi, je voulais que la lumière de Christ resplendit dans la vie, dans les cœurs. Et toi? Et c'est ça qui vous réveille nous. Ça qui vous réveille nous. Toi qui dors. C'est quoi un sommeil pour gagner nous, frère? Veillez donc avec soin sur votre conduite. Avec soin. Gardez ça avec un sérieux. Non comme des fous. Parce qu'il y a un fou, je ne tape en cas. Hein? Votre conduite. Je conduis à autre comme un fou. C'est ça qu'il peut redire. Hein? Mais comme des sages qui connaissent la valeur des choses et qui recherchent comment besoin, quand besoin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et moi, je crois que quand sa révélation est claire à nous, et est révélée à notre cœur, nous pouvons comprendre de plus en plus quelle est la volonté du Seigneur, parce qu'il nous peut venir intelligent dans les choses du Seigneur, les choses de l'Esprit. Et ça, c'est pour nous tous, hein? Ce n'est pas une intelligence naturelle, ça. Dans nous, les cœurs. Alors, lui dire, n'a pas vivre la vie charnelle. Dis ça aux chrétiens, là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Vous trouvez cette grâce que Dieu a envie de faire à nous de mettre de côté une vie qui ne le plaît pas et que de découvrir qu'est-ce qui est de valeur pour lui. Vous ne connaissez pas, hein? si mon papa a quelque chose de valeur pour moi. Moi, je connais de la part de mon papa. Qui tu es n'a de valeur pour moi? Mon papa le rôle l'autre côté avec l'autre du monde. Vous venez vers mon papa. Il est pour montrer moi. N'est-ce pas?
Jésus dit, tout ce qu'il dit, ça pas venir de lui, il recevra ça de son Père. Il connaît où est la source, il connaît la source. Et ce qui est assis sous la source, nous tous, connaît contre la source. Laisse la source la couler. Laisse la source la couler. Pas commence de prendre l'autre direction pour boire un petit peu. La source aussi en même temps. Voilà ça la source là. Laisse l'Esprit de Dieu éclairer encore. Pour fortifier nous, pour équiper nous. Nous casser à dans sa dernière soutenir le corps de Christ. Les uns les autres. Mon bon frère a besoin de moi. Mon bon soeur a besoin de moi. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Qui fait verset 19, il dit, afin qu'il nous capable, il a. Vous pouvez transmettre ça. Vous pouvez transmettre ça, là. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et dans Colossiens, 3, il dit à nous aussi, verset 16, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Est-ce qu'il lit pauvrement en moi ou il peut gagner de la richesse? Moi qui besoin d'évaluer cela. Il ne faut pas me dire, nous besoin d'évaluer les autres, là. Nous besoin d'être nous-mêmes. Il y a là qui ça promène nous, sa richesse en nous. Promène nous pour instruire nous et avertir nous les uns les autres, réciproquement. C'est pour ça, quelquefois, quand nous avons une rencontre, même le Zoom et tout, je dis à mon frère, ben, on t'a dit quelque chose, qui vous n'avez pas le cœur. Bon, souvent, il y a mon frère qui exprime ça, mais tout le temps, souvent, c'est un peu les mêmes frères et sœurs. Mais le corps de Christ, ça, cette parole-là, c'est pour nous tout ça. Il ne fallait pas nous honter, nous. Nous ne pouvons pas honter quand le Seigneur révèle sur la lumière dans le cœur. Nous pouvons avoir quelque chose pour nous dire. Un quelque chose de bon. Un quelque chose d'encourageant. Un quelque chose qui pour relève nos frères et sœurs. Nous pouvons instruire nous là-dedans. Tu n'es capable d'instruire quelqu'un, toi. Il n'y a qu'il ne pas trouve ce qui te trouve. Alors, de plus, tu peux instruire plus, tu peux avertir plus, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chanter à Dieu de tout votre cœur. Voilà l'édification qui s'apprend mener au milieu de nous, mes frères et sœurs. Amen. Et pour terminer, à nous guette, comment. Juste 5 minutes, comment maintenant nous besoin transmettre au monde ça, la lumière là. Hein? Nous vivre la lumière et puis nous transmettre à l'Église et au monde. Dans Jean chapitre 5. Pardon, dans Matthieu, excuse-moi, chapitre 5. OK? Verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors, nous visons la lumière en dedans, nous visons la lumière dehors. Voilà nous la vie. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qui fait nous paie cassette. Jésus peut dire à nous, tu n'as pas gain droit cassette toi. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Après, il dit, mais toi, tu es la lumière du monde. Tu es devenir un enfant de lumière. Qui fait te péter cassette? On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau de la case. Mais nous mettons nos chandeliers pour les capables de briller. Il va transmettre ça la lumière là. Il va refléter ça la lumière. Ça la lumière là. Afin qu'il voit, et il dit que la lumière brille devant les hommes, afin
qu'il voit vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Premier coup, dans verset 25 à la fin, il dit à qui ça, il brille dans la maison. Et nous sommes dans la maison de Dieu. C'est la lumière là pour briller au milieu de nous. On a nous la vie. Et ensuite, il dit, ça bizarre brille devant les hommes. D'accord? Alors, voilà ce qui Dieu pérode, quand Dieu pérode emmène nous dans les jours qui viennent. Comment nous rendrons-nous responsables, premièrement, de le rechercher avec sincérité, avec vérité, avec sérieux, à le rechercher. Et qui ça peut apporter dans la vie, nous parler. Maintenant, nous exhortons-nous. Comme Cosella dit, la balle dit dans notre camp, dans mon camp aussi. Nous tous devons nous responsables parce que c'est Jésus qui viendra de nous, il ramène la lumière dans nous et il ramène plus lui-même. C'est pour ça que Paul il priait qu'il élimine les yeux nous les cœurs encore plus. Mais nous besoin de nous les temps, nous besoin rechercher. Alors, qui ça vient un style de vie pour nous qui finalement vous transforme le style de nos la vie. Nous n'appliquons pour amener nous la vie à un petit peu comme nous l'est. Nous pour laisser Dieu emmène nous pour amener nous la vie comme il est dans ce royaume, dans la lumière. Amen. Et bien entendu, quand nous pouvons dans la présence de Dieu devant sa parole, automatiquement, ça pour confronter nous l'équerre. Si le moindre moine a une affaire qui n'est pas claire, qui n'est pas pure, ben, ça peut être réglé pour nous recevoir plus encore. Alors, n'a pas arrêté à nous, n'a pas honte. Le voile est déchiré, nous gagnons accès dans la réelle présence de Jésus. Et ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui voit nous, qui est clair à nous, qui amène nous trouve ce qu'il voulait nous trouver. Quel cadeau! Quel cadeau! Je trouve ça un grand cadeau, moi. Amène un petit cadeau comparé à un trésor. Qui vous choisir? Vous choisissez un trésor. Amen. Voilà le but ce soir, c'est d'inciter un petit peu nos cœurs à chercher cela.